Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Je suis là pour te motiver, pour que tu puisses te surpasser dans tous les domaines de ta vie. Je suis dans la petite série que j'appelle 5 raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas dans la vie. Je répète encore, quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément d'aspect financier. Je parle de tous les domaines de la vie familiale, entrepreneuriale, tout ce qui te passe intellectuel. Alors je vous ai donné la première raison, la deuxième raison, là c'est la troisième raison. C'est le manque de persistance. Le manque de persistance est l'une des raisons pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie. Alors vous savez, c'est important de persister dans la vie. Persister, ça veut dire quoi? C'est que tu travailles tellement fort jusqu'à ce qu'on te donne. Le problème avec notre génération et notre société, c'est qu'on abandonne trop vite. On abandonne dès que tu as un premier refus. Dès qu'on te dit non une fois, tu dis que non, ce n'est pas pour toi. Dès qu'on te dit non une, deux, trois fois, tu dis que non, ce n'est pas pour toi. Non, tu dois persister si tu veux réussir dans la vie, en général. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois persister. C'est très important. Persiste. Alors ne recule pas au premier non, ne recule pas. Non, c'est important pour toi de persister. Persiste dans la vie, même si on t'a dit non, repars encore. Même si on t'a dit non, repars encore. On t'a encore dit non, repars encore jusqu'à ce qu'on te donne. Ne persiste, n'abandonne pas trop vite. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils abandonnent trop facilement. Tu as lâché trop facilement, tu as laissé tomber trop facilement et puis tu n'auras jamais ce que tu veux. J'ai compris une chose, c'est que la vie ne te donne pas ce que tu veux, la vie te donne ce que tu exiges. Oh, 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 je vais répéter ça. La vie ne te donne pas ce que tu veux, la vie te donne ce que tu exiges. La société ne respecte pas ta douleur, la société ne respecte pas tes sentiments, ne respecte pas tes doutes. Si tu veux quelque chose, va le récupérer. Exige cela. C'est pour ça que la troisième raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'il leur manque la persistance. Tu as abandonné trop vite. Tu as lâché trop vite. Tu as abandonné le dossier trop vite. Alors j'aimerais te dire que si tu es en train de m'écouter et que tu fais partie de ces personnes, ce n'est pas le moment de lâcher. Allez, remets-toi sur ton cheval. C'est important de reprendre ta vie en main. Continue. Tu as eu non une fois, tu as eu non deux fois, repars encore. On t'a dit non pour ce CV, repars encore. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Waouh, non. Un bébé, ça m'a tellement, ça me fait du bien quand j'y pense. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Toi, tu es tombé une fois, tu es tombé 20 fois, 10 fois, tu as déjà lâché, tu as déjà abandonné. Le manque de persistance. J'aimerais te dire que tu dois être persistant. Va chercher ce que tu veux. Rappelle-toi que la vie ne te donne pas ce que tu veux. La vie te donne ce que tu exiges. Alors va travailler pour ce que tu veux. Vous savez, c'était exactement ça. Quand on voyait une belle fille, etc. Tu sais que dès que tu as le nom, dès que tu vas aller voir cette fille, elle va te dire non, tu es caché. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ce sont des gars qui ne sont pas forcément beaux. Ils ne sont pas forcément prospères. Ils n'ont pas forcément tout ce que les autres. Mais ils ont une persistance pas possible. Ou dès qu'ils ont tellement parlé à la fille a dit non, la fille a encore dit non. Finalement même, la fille a tellement dit non qu'elle commence à aimer le gars. C'est cette persistance que tu as besoin dans la vie. C'est pour ça que tu vas rencontrer, tu vas marcher dans la rue et tu vas dire, tu vas par exemple rencontrer un bel homme. Et quand tu regardes la personne avec qui elle est, tu lui dis, mais comment elle a fait pour... Ou devant le contraire, tu vois une belle femme, mais quand tu vois son copain, tu dis, mais comment il l'a fait? Des fois, c'est juste la persistance. Alors, j'aimerais te dire quelque chose, c'est très important pour toi. L'une des raisons pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie, c'est le manque de persistance. C'est pas le moment de lâcher trop tôt, c'est pas le moment d'abandonner trop vite. C'est le temps pour toi de persister. Alors, persiste à partir de maintenant. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la troisième raison. C'était ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.